pourquoi on est là aujourd'hui aux 24 heures du bâtiment? Bah parce qu'on est au cœur du réacteur, au milieu de tous les adhérents de la fédération, et que évidemment ce sont nos premiers clients, et il était normal que SOCPRO soit là pour les accompagner et leur expliquer en quoi consiste notre solution. La Fédération française du bâtiment est engagée dans l'innovation, elle présente les start-up à ses adhérents régulièrement au travers de pitch, de rencontres. Donc les solutions innovantes proposées ici aux 24 heures du bâtiment dans le village start-up permettent de découvrir des solutions qui, par exemple, sont une meilleure gestion des déchets, mais aussi la découverte de nouveaux matériaux moins émissifs, comme des ciments bas carbone, ou encore la possibilité aussi de découvrir des solutions de location de matériel le plus rapidement possible. L'innovation est au cœur de toutes nos préoccupations. L'innovation, c'est le bâtiment, c'est l'innovation. Et c'est pour ça que nous travaillons avec Impulse Partners, qui nous présente régulièrement des start-up, qui nous incitent à réfléchir sur l'influence du numérique et de la décarbonation sur l'acte de construire. Nous faisons des efforts permanents pour que les adhérents fassent tout ce qu'il faut pour profiter des innovations technologiques qui se présentent à nous et qui vont constituer un formidable effort d'attractivité et d'évolution pour nos métiers.